succès, c'est Furax pour la présentation du jeu, après vite fait du jeu The Darkness 2. Alors, on va parler un petit peu de ce jeu qui a été édité par 2K Games et développé par Digital Extreme. Donc, c'est un FPS qui est sorti le 10 février 2012. En France, c'est le 10 février 2012 aux États-Unis. Donc, de quoi parle The Darkness 2? Donc, c'est évidemment inspiré du comics du même nom. Donc, c'est un FPS. Vous incarnez Jackie S. Takado. Donc, c'est un mafieux de 21 ans qui se retrouve l'eau du Darkness, une entité maléfique. Lui insufflant de nombreux pouvoirs pour lui permettre de se venger de son monde qui souffre. C'est terrible. Donc, voilà quoi, je vais vous montrer un petit peu de quoi il leur tourne. Je pourrais dire de ce jeu. Il n'y a eu qu'un sous-vint sur jeuxvideo.com. Ah, il a pas été trop mal noté, ça va. Moi personnellement, bon, je vais lancer le jeu et puis je vais regarder un petit peu ce qu'il en est. Et donc, il baisse vite le son. Bon, comme vous voyez, il n'y a pas 36, c'est du FPS bourrin. Hein. Vous avez une nouvelle partie, Vendetta, c'est le mode multijoueur. Option, crédit, contenu téléchargeable, et puis quitter. Donc, bon, je vais faire une mission au hasard, hein, parce que là, j'ai commencé le jeu il y a 2-3 jours. Donc, je suis à peu près au milieu du jeu pour pas spoiler trop. Tout va bien, boss? Donc, à première vue, le jeu est pas vilain. Déjà, on peut dire que c'est plutôt joli. Une espèce de cel shading un peu nouvelle sauce là, pas trop mal. Ça va, ça rend plutôt pas trop mal. Et voilà. Là, je suis dans ma maison, dans mes chiottes. C'est super. Là, donc déjà, première chose négative que moi j'ai trouvé, c'est que les déplacements sont assez bizarroïdes, c'est pas fluide, je sais pas, c'est saccadé, je trouve. Regardez comme il marche, le Gugus, et même quand on frappe c'est pas activé, en fait ça fait tout le temps comme ça, je sais pas pourquoi. Je trouve qu'ils ont fait un truc où quand on court, on dirait qu'on a deux pavés de 500 kg accrochés aux pieds, mais bon. Voilà, c'est un des points négatifs que j'avais trouvé du jeu. Sinon, bah, ma foi, je dois être à 4 ou 5 missions après le début. J'ai pas trouvé de bug majeur. Bon, écoutez, on va faire une mission où je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il en est. Donc, j'en ai marre de ces types, Jackie. Il faut qu'on mette fin à tout ça. C'est ça le plan, Vinny. Dis-moi ce que je dois faire. Je vais aller voir Johnny. Comme tu veux, boss. Tu seras prêt à buter ces enfoirés, préviens-moi. Donc à savoir que entre chaque mission, vous vous retrouvez dans la maison là, c'est la maison de Giacomo. Personnellement, je vois pas trop l'utilité d'avoir fait une baraque. Vous voyez, c'est grand, c'est beau, c'est complètement inutile. Bon, après, est-ce que ça peut aider à rentrer dans le personnage? Je ne sais pas. Voilà, l'architecte qui a fait ça, il est très con quand même, parce qu'il y a des balcons à côté, mais il a foutu des sapins en plein milieu du béton. Pourquoi pas? Moi, je veux bien. Des fenêtres sans fenêtres. Bien aussi. Trop mal. Vous voyez, c'est pas fluide.
Je trouve que c'est bizarre. Les fauteuils, ils ont un peu mal. Ah oui, c'est vrai, parce que je me suis fait attaquer chez moi il n'y a pas longtemps. Salut, Jackie. Donc, je vous explique un petit peu. Bon, bah là, vous avez la quête principale, hein, trouver... Allez, je sais même pas pourquoi il y a une quête. Trouver la confrérie, parler à Johnny dans la bibliothèque. Donc, essence 2379 et relique trouvée une sur une. Donc, je vous explique. Les essences, c'est pour pouvoir customiser un petit peu son perso. Vous pouvez rentrer dans des menus pour améliorer les armes, le darkness, etc. Et vous avez justement besoin d'essence. Et vous les dépensez au fur et à mesure. Mais je vous montrerai après, je pense. On va voir. Très bien. Donc voilà, vous avez maman qui fait le ménage. Très utile. Donc là, c'est... Jackie. Alors les mecs... Jackie... Prends bien soin de toi, Jackie. Aïe, d'accord, attention à moi. Alors c'est qui là, ici? Alors lui, c'est l'espèce de cinglé qui était déjà dans le 1. Jackie, j'ai appris ce qui s'est passé, nom de Dieu. Putain, je crois que je débloque vraiment, là. Je vois toujours cet asile. C'est de pire en pire. Je crois que je perds la notion du temps, je sais pas. Jackie, c'est à cause du darkness. Il essaie de te perturber. Alors, je me dis que ce serait le bon moment de visiter Hawaï ou les Fidji. À quoi sympa, chaud et à 10 000 kilomètres de ces types. Non. Il se planque sur la vieille promenade d'Astoria. Un coin appelé Elgatefield. Jenny et moi, on y allait quand j'étais gosse. C'est là que je vais aller. Jackie, tu devrais réfléchir. C'est peut-être un piège. Ça pue le traquenard à plein nez. C'est parce que c'est un piège, du con. Mais j'ai pas vraiment le choix. Je ne veux pas qu'il blesse Jenny. Ne laisse pas prendre le darkness, Jackie. Si tu le fais, on est tous foutus. Et le siphon? Le darkness ne doit pas le prendre. S'il le fait, on est tous foutus une fois de plus. Même l'Angelus ne pourra pas arrêter le darkness. J'aurais peut-être pas le choix. Merde. Dans tous les cas, je suis baisé, c'est ça? Écoute, Johnny. Merci pour tout. De rien, Jackie. Mais écoute, plus jamais, jamais, plus jamais ça, d'accord? En fait, le mec là, il me fait penser au tueur de... Je sais pas si vous avez vu le film à Christophe Lambert, Résurrection. On dirait le tueur en série, le méchant. Il a la même tête de con. Bon, sans l'œil, évidemment. Hein. Mais regardez, franchement, il ressemble. Quand on parlait, tu as dit que même l'Angelus ne pourra pas l'arrêter. Ça veut dire quoi? C'est quoi, l'Angelus? L'Angelus? Tu sais vraiment pas? Jackie, l'Angelus est le contraire, l'opposé du Darkness. C'est une créature de pure lumière. L'Angelus et le Darkness se battent depuis... Je sais pas exactement, mais vachement longtemps. Hein. Personne ne l'a vu depuis un bail. Et si quelqu'un peut remercier sa bonne étoile, eh ben, c'est bien toi. Tu disais que l'Angelus avait créé le siphon. C'est la rumeur. Une arme de lumière pour une créature de lumière. Ça colle plutôt bien. Donc ce siphon, il peut me tuer? Bien sûr! S'il te tue avec le siphon, le Darkness ne pourra jamais réparer les dégâts. Tu iras droit en enfer, sans passer par la case départ et sans toucher 200 dollars. Ouais. C'est un comique, en fait. C'est bien. Merci. Bon, voilà. On va faire la mission. Hey, si tu meurs, je pourrais prendre tes livres! Quoi, c'est trop tôt? Je suis là, hein, du con. Donc voilà, les reliques, vous pouvez récupérer des reliques. Vous pouvez un petit peu voir ce qu'elles font. Il y a une histoire un petit peu... Tu sais, Jackie, cette chose est en toi, le darkness. Tu crois que tu es maudit, mais tout le monde ne pense pas comme toi. Comme dit le proverbe, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Enfin, je veux dire, c'est débile de penser ça. C'est évident, le darkness est le possesseur, pas le possédé. Mais les gens stupides font des trucs stupides. C'est pour ça que beaucoup d'entre eux essaient de voler le darkness. Et depuis longtemps, hein. Heureusement pour toi. Enfin, je crois, ces tentatives ne vont jamais très loin. Prends cette relique, par exemple. Au fil du temps, on lui a donné le nom de phylactère des fous. Peut-être que tu as joué à des jeux de rôle quand t'étais môme.
Ah oui, avoir tes muscles, je dirais que... Enfin, que non, hein. Bref, un phylactère est un tupperware pour les âmes. Ça les conserve, elles restent bien fraîches. Mais en fait, ça n'existe même pas. Dans toute l'histoire de la magie noire, on n'a jamais vu de phylactère. Écoute, le phylactère des fous est un canular dont un moine a eu l'idée dans les années 1600. Il en avait ras-le-bol de la religion et voulait se faire un peu de fric. Alors il a fabriqué ce joli récipient d'ancien parchemin bidon et a vendu le tout au premier crétin venu. Cet idiot a essayé d'attraper le Darkness et il s'est fait bouffer, hein. Et ça pourrait s'arrêter là, mais non, 400 ans et des milliers de morts plus tard, ce merdier continue encore. Les gens sont vraiment cons, hein. Moi, c'est pour ça que j'habite dans un carton, hein, sous un pont. Donc, vous voyez, les oies sont pas trop mal, quoi. Moi, les doublures doublure audio, ça va. Ils prennent bien le ton, etc., etc. Ça, moi, je sais pas, j'arrive pas à comprendre les gens qui disent « Ah, jouer à la version anglaise, c'est mieux. » Je sais pas, je comprends pas trop. Il y a plein de gens qui disent que c'est mieux. Moi, je sais pas, je trouve que ça va, quoi. C'est pas trop mal. Donc voilà, c'était une petite parenthèse que je voulais ouvrir. Donc voilà, je vais vous montrer pour améliorer ses compétences. Donc, voilà, vous avez 3 branches principales. Voilà, 3 branches principales. Vous avez pas mal de trucs, hein. Envoyer des mouches, mettre du darkness dans vos armes. Voilà. Ça c'est par rapport à la... Parce qu'en fait vous avez 2 branches sur le Darkness, une qui attrape je crois, une qui fouette, une connerie comme ça. Là vous pouvez prendre le Darkling parce que vous avez un petit compagnon avec vous qui s'appelle le Darkling. Et vous pouvez le prendre pour taper les ennemis, etc., etc. Vous pouvez améliorer votre santé. Sur des munitions supplémentaires, c'est quoi ça? Le grand Darkling se recharge plus rapidement après une exécution puissante. Là, bouclier démoniaque est plus résistant. Enfin, tout un tas de trucs, hein. Et par exemple, là, j'ai 2379. Je vais. Pff, qu'est-ce que c'est ça? Alors, les ennemis touchés par la nuée sont étourdis plus longtemps. Et quand les gens sont les armes. Les objets ramassés avec le bras du démon explosent lorsqu'ils sont lancés sur une cible. Le bras du démon est doté de lames acérées démonte du vivre après avoir dévoré et un clic qui est intensifié puissant. Ah, voilà. C'est cool. L'ennemi chancelant ou détourné pourront être empoignés pendant plus longtemps une fois qu'ils auront récupéré. C'est les ennemis. Exécution minière pour ta prise de force quand tu viens à boucler le darkness et faut une exécution minière. Tiens, je vais lire ça. Tiens, voilà. Oh, c'est pas flagrant au niveau de. Au niveau utilité, voilà quoi, ça reste du bourrinage. Faut suivre ton instinct, Jackie. Laisse passer, fils de pute, te détourner du droit chemin, ok? Salut, petit. Eh ben, on peut dire que ça a été un sacré bordel.